Nous sommes avec Pierre-Edouard Décimus, le créateur du groupe Cassav, le créateur du Zouk, j'aime à dire. Et c'est un plaisir pour nous, mais vraiment un honneur de recevoir ce grand monsieur. Donc ce matin dans le Big Dance Zouk, on a c'est ça. Et c'est ensemble quand même que nous arrivons. Et ça m'apprend dans les Vikings, le respect réciproque et tout ça, à transposer dans Cassav. Et c'est ça qui a fait si Cassav durait encore 40 ans. 40 ans, c'est essentiel, hein. Après, voilà, c'est cette notion de respect réciproque et pas laisser intimider, même si mon vin dit il a pas avoué, mais il a avoué qui est tel. Mais puis vous doit ça difficile ça. C'est pas difficile à partir du moment où. Quand son monde humble. Même pas, vous savez, tout le monde humble et tout le monde pas humble, pas plus humble qu'un autre monde. Moi, je travaille à moi-même, mais sauf qu'on comprend que lorsqu'on avoué 10 monnaies en album ou pas avec une autre personne. Ouais. C'est pour ça que nous décidons que nous avons acquis 5 mondes, parce que comme nous avons acquis 5 mondes, nous avons ces figues l'amie. Ah, alors, donc ceci explique cela, c'est-à-dire que sur les albums du groupe Cassav, très rarement, il n'y a pas de photo. On ouvrait photo, je crois que c'est sur vous. Une ou deux fois. Sur un album, vous êtes en huilé là. Non, mais ça, nous trois ou travaillons, c'est bon. Ouais. Après, quand ça devient le groupe Cassav. Le groupe Cassav. Nous avons photo, nous toutes là, avec Nemo, César Duhaussin, les danseuses, tout le monde. Mais on ne parle à personne, parce qu'il y a trop de monde. Trop de monde. Donc après, l'album là, ça, nous décidons qu'on parle à qui des têtes d'affiche, nous décidons que c'est tel monde, tel monde. Ouais, ça magnifique. Et les autres là, ils ont fait travailler, et le groupe là a avancé pour un pays, pour une région. Et pas pour des mondes individuels. Et contrairement à ce qu'on pense, des mondes qui disent ouais, Jacob, ceci, Jacob, Nigostet, c'est pas du tout, c'est un grand humaniste. Ouais. Il est très, Jacob, très sincère et très sérieux à ce qu'il a fait. Ouais. Georges, pareil, pas ni monde qui est plus gentil que ses métiers. Ouais. Mais maintenant, bon, si vous ne parlez pas de ouais. C'est vrai que Jacob, particulier, chaque mounani, caractère à you, façon de, oui, mais de voir les choses. Parce que bon, le zouk, c'est en nous, ça sorti ici dans, et ça nous beau bien incarner ça, mais ça sorti ici dans. C'est une construction collective. Une construction collective, et le public n'est en place essentielle à si pas tenir public là, même le public guadeloupéen qui part reconnaître lui au début. Ouais. Parce que les premiers 10 sortis, la Martinique reconnaître lui avant, les autres pays reconnaître lui avant. Mais c'était un peu normal parce que j'avoue que moi, celui-là qui tenait un gros succès, un très gros succès, il a même sorti en France pour te venir interviewer moi ici pour chanson-là. Mais chanson là, ça a été écrit sur un rythme à Bel Air, Martinique. Donc, le Martinique reconnaît tout de suite que c'était d'accord, un Bel Air et c'était un gros succès Martinique. Et la version originale, c'est Freddy Marshall qui a chanté, parce que Freddy Marshall, c'est un monde qui a chanté, il a mis en l'eau énergie et à danser, il a chanté. Voilà. Et c'est qui morceau? Soleil. Et là, c'est pareil. C'est Cassav, nous mettons Pierre-Edouard Décimus pour tenir un repère. On voit pas. Pour que Cassav, pas Olaï, a commencé. Mais pourquoi Cassav? Cassav, parce qu'en telle histoire à Goldorak, et je te expliqué que ni des mots à succès, mais puis ces mots-là, pas de succès, il faut une ion V, il faut une ion K, il faut une ion N, faut une tout ça. Et en rendant compte que Viking tenait toutes ces lettres-là. C'est les lettres-là, ça. Et en mettant-moi. Écrit avec Freddy Marshall, nous écrivons l'homo, et Teni Maracuja, Teni, plein de créoles qui étaient cassonnés. Et finalement. Et Cassav. Cassav, parce qu'il n'y a ni K, ni S, ni V. Donc ça n'a pas tenu à rien à voir avec Galette là que nous connaissons là. En si, fait. Si, si. Ah oui, d'accord. Oui, il y a une histoire, puisque, alors, histoire Golo-Acadio, en même temps, Formula, ni on histoire pathétique d'ailleurs. Il a changé que nous tenions voisine qui était café. Cassav. Cassav. Et l'antétimon, il était crié derrière moi un jour. Il était dit, mais pas joué dans l'état comme un là, parce que c'est un poison. C'est un poison. Et donc là, mais l'antétimon, à part de dire rien, mais en tout cas, dit,
a te passé que tu as raconté une bêtise, puisque nous avons mangé et quasiment sans poison. Donc, c'est bien après, là, on vient grand, on savent que c'est arsenic et que arsenic là, qu'a trouvé un lettre là, en fait. Il a trouvé un lettre là, mais à la cuisson, il a, okay. Tu sois là qu'a détruit, okay. Ça. Donc, c'est pour ça, depuis que lit, sur la paix internationale, en histoire avec le groupe Kassav, ouais. Radio, c'est une galette qui peut donner la vie, mais en même temps qui peut tuer. Oui, en fait, Kassav, c'est qui a exprimé tout ça, nous t'es écouté à l'époque. Nous t'es écouté musique américaine, nous t'es écouté en la musique haïtienne, nous t'es écouté musique Porto Rico, Cuba, Calypso, Trinidad, Jamaïque. Musique africaine, c'est nous, quoi. Nous c'est en lot peuple différent, c'est en construction assez particulière. Et on a l'impression, moi, pas ça, puisque je ne suis pas spécialiste, mais on a l'impression que ça fait exprimer ça nous-mêmes nous y est. C'est-à-dire on mélange de culture et dans tout mélange là, ça faut nous quand même essayer de chercher qui nous noyer, qui nous veiller, parce que en général je dis que dans la quête identitaire il faut être prudent, et maintenant je suis plus dans la quête de cohérence, parce que quelquefois on n'est pas toujours cohérent dans la quête identitaire, donc on est là même si ça donne naissance à autre chose, puisque s'il n'y avait pas Kassav, il n'y aurait pas eu le Creole Blues de Marie-Galante. Et le Creole Blues de Marie-Galante, c'est parce que je constate que je fais une grosse faute en écrivant Kassav. Parce que le son Kassav, c'est un seul S. Aïdi Onti Mounjodla, que le son Kassav, c'est un seul S, alors qu'il y a vrai Kassav, il écrit tout partout avec des S. Ouais. Donc, en TPD, c'est vrai que la graphie créole n'existait pas à l'époque. Ouais. J'aurais pu me réfugier derrière, mais c'était trop facile. Ouais. A préféré dire, c'est ton erré. Ok, faut d'accord. Faut écrire avant seul S. Yes. Mais faut trouver une solution. Ouais. Donc la solution, c'est de dire, c'est Timouna, le son, c'est en seul S, sauf Kassav. Ouais. Quand il y aura du chou, genou, hibou, exactement. Il y a des exceptions. Donc, sauf Kassav. Ouais. C'est en seul S, sauf Kassav. Donc, et ne pas se réfugier derrière une erreur pour dire « Ah, pas tes fautes à moi. » Ah ouais, ouais. Donc, ou bien chercher d'autres explications. C'est ton erreur. Ouais. Parce qu'il n'y avait pas, c'est vrai, il n'y avait pas la graphique. Effectivement, on le voit notamment sur des albums, hein, avec un créole très francisé, etc. Mais bon. Même dans les textes. Mm. Donc, nous-mêmes, le regard de Laguémoin écrit L-M-O-I-N. Mm. Mais bon, à quoi profiter pour dire, à partir de Moalassa, à quoi fait partie de l'école Amadeus, et l'un des premiers bitins, l'école de musique Amadeus de Bergevin, a pas professé musique, mais à quoi accompagner l'école là, et nous quand même été en espèce de l'école à créole, et pour dire, mon papa a y apprendre. Parler créole et marquer créole. Ouais, c'est important. Parce que, on croit parler français toute la journée et on croit, l'école, on est, l'examen français, on est cours de français, on est exercice en français. Mais, faut pas nous payer à apprendre à nous. Et moi-même, c'est premier inscrit à dans cours de créole que nous fait à l'école Amadeus. En tout cas, c'est magnifique. Et là, on voit l'apparition déjà de Justine Biwa, hein, donc dans les chœurs. Elle fait partie des choristes, d'accord, avec sa sœur, et le deuxième album là. Mais Hippoko en lead. Ouais. Kavin en lead bien après. Et Kassav 3 là, pas vrai là, son époque importante aussi, puisque c'est Likini Soukounian. Ah oui, c'est. Il est wonderful. Et c'est l'album 3 là qui a presque baillon l'idée à groupe, puisque Yoka invité nous à l'île Maurice à la Réunion, parce que calculer son gros succès à la Réunion,
Il y aura mal de nos groupes-là, mais groupes-là pas qui existaient. Donc, nous prenons Dominique Panol, nous prenons tout le monde qui était qu'à travailler avec nous en studio. Et nous menons yo, Saint-Éloi, tout ça, à la Réunion. Et ça a été tellement succès qu'elle nous dit à un moment-là, ça tient, mais nous pouvons faire un groupe. Et l'idée de groupe naît à ce moment-là. Et le gros succès, Zoukla Médicament, c'est ça le médicament nous avait à Touvon, Léa Sipongaba. C'est vraiment l'élément déclencheur international. Mmh. Et c'est ça qui a bâillé le zénith, le premier zénith. En fait, je te remercie pour ce témoignage parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'imaginent qu'on ne voulait pas qu'il y ait de relève. Et on a beaucoup fait pour qu'il y ait une relève. Et la musique évolue. Et bon, à mon avis, chaque génération qui vient avec une expression, nous venons avoir une expression un peu familière nous, et si nous venons avec une expression qui diffère, qui est à nous, là, quand on est 700 atos, là, quand on est Wervana, là, quand on est Stevie Maï, là, quand on est toutes ces générations-là, ça, là, quand on est vous, là, quand on est les autres aussi. Ben, on est en pile plaisir et à certains académies que en confiant pour musique à la Guadeloupe demain. Là, écoutez la presse le lendemain qui fait critique, parce qu'on critique peut être négative, qu'on peut être positive, mais qui fait critique là, et fait critique, et en disant, puis j'ai oublié ça, ça m'a ok, moi, ouais, un concert prévu à 20h, commencé à 22h, parce que pas tenu en l'eau, moun, bit. Zote pe lagé ça. Et c'est pour ça que je voulais porter témoignage à un jour de là, pour bien dire, moun, ben, c'est de la négation. C'est volonté, c'est travail qui a fait mon rêve. Parce que si on te garde premier concert là, ça, qui pour nous pas un échec, hein, parce que pour nous pas un échec, parce que la radio, ils ont joué pour nous. Ils ont joué pour ça, était là. Nous pas nombreux, ça était vite, mais ils ont joué comme si t'étais un paquet de monde là. Donc ils ont respecté, c'est là qu'ils viennent là. Même s'ils commençaient à 22h, mais ils ont respecté, c'est là qu'ils étaient là. Et nous trouvons nous ni 2 heures de spectacle en nous, tranquille, avec bon son, bon musique. Et ZOTP, encore 2600, ZOTP a arrêté ça. Dit ouais, ça n'a pas marché, ça n'a pas pété. Ils ont persisté. Et là, nous mettons nous à rire à présent. Moi, Julien, et Gilbert, tous ces gens, nous mettons nous à rire. Les gens découvert. Ah, mais on y a un groupe qui sorti là. Pourtant, Zouk là, c'est celle médicament, nous ni. Oh. Asiponga, bah, moi, tout le monde, tout le monde a dans ça. Et ouais, alors là, et c'est. Non, nous arrêtons. Car ça va pas ça. L'autre jour, on dit pipo ça. On dit, puis pour ça, on vient pour réagir sur Facebook. On connaît, on voit mon laisser. Puis pour dire, moi, je vois même bien là. Mais on dit, bien. Là, il dit, n'oubliez pas, hein, Kassav, c'est à démarrer avec Pierre-Edouard de Simus en 1984. Avec, alors, on dit, ouais, il y a tout ça, l'année déjà volé. Et avec Zoukla, c'est le médicament. Non. Ouais. Non, non, non. Alors, donc, moi, on va dire comme ça. On voulait porter témoignage à ça pour que les gens savent. Et c'est travail qui a fait mon rêve. Ah, ça, c'est ici. Important. Hein. Travail. Abnégation. Alors, Pierre, sacrifice. Pierre-Edouard va dire deux mots dessus. Pourquoi j'ai ça, concernant ça? Après, j'ai conseillé là. Après, j'ai tellement bien que j'ai profité. Moi, puis, voyez un bel merci et pour les frères Bass, notamment Jacques-Marie Bass. C'est Yo qui, des jeunes boucs, à l'époque, qui étaient consorts. Ouais. Qui décidait qu'il y aurait fait quand ça venait, parce que tu as fait partie des gens qui t'aimé, ça nous a fait. Et vous sacrifiez, vous mettez l'eau énergie là-dedans. Et tenir quelques monde quand même, pas tenir ni 25 000 monde, ni 50 000 monde qu'on connaît après. Mais tenir quand même plus de 7 000 monde. Mais par contre, on a des 7000 à présent sur un terrain, il a l'impression qu'il n'y a pas tenu en l'eau. Et tenu toute couche à la population guadeloupéenne. Ça, c'est vrai. Tenu la bourgeoisie, tenu malheureux, tenu tout le monde qui était à côté quand ça faisait l'époque. Mm-hmm. Parce qu'il tenu des monde qui n'étaient pas bourgeois, mais qui étaient mécènes de graphique. Ouais. Et Pierre-Edouard, là, nous avons parlé, qui sont les différents
membres ou chanteurs viennent intégrer Cassav. Je crois que Jean-Philippe Mantelli, Justine Béon, Jean-Philippe Mantelli, après Patrick Saint-Éloi, qui chante ça fait? Alors, Jean-Philippe Mantelli, quand il est arrivé à Cassav 3, qui au départ c'était un disque Jacob Desvarieux, et Vin Cassav 3, et il a chanté Calculé, Jacob qui a chanté Soukounian, il a chanté Wonderful. Là, et Jean-Philippe Mantelli s'était chanté à Simon Jurad. D'accord. Donc, nous déjà qu'à rencontrer, nous déjà qu'on est au Martinique, à Téni, Jean-Philippe Mantelli et Papolo Albin. Il y a Ralph Tamar aussi, si. Si non, non, ça c'est sur Cassav 5. Ouais. Ça c'est Cassav 5. Allez, Maïdoudou. Et en tout cas, petit à petit, les mondes finis, nous devons tester. Ça, voilà. Ça fait naturellement, mais nous payons assez de temps là pour. Ouais, que, voilà, pour parce que nous nous ça fait nous aussi libérer, parce qu'on a d'autres obligations. Nous, quand saluer Angola, là aussi, un Cassav qui actuellement avait le grand méchant Zouk en Angola. Voilà, et Lyon Festival du Zouk. Voilà, donc ça, qu'est moins qu'à déplorer que nous pas qu'à arriver forcément fait en Guadeloupe. Union Festival, mais nous avons demandé que vraiment, qu'il y ait véritablement une implication pour nous, Union Bel Festival. Ça, Kevin, nous n'ayons Festival du Zouk, malheureusement, Festival n'a pas de chance. Puisque depuis la première édition là, il a contacté moi et a te dit d'accord. Et puis nous avons eu bien qui vient faire un mauvais temps, ça n'a pas été concrétisé. Et après, il n'a pas jamais réussi à trouver en même temps que Cassav TP là, mais Cassav a suivi. D'après, nous avons dit en pile force. Et, vraiment, notamment Louiseau. Et il y a un peu le courage, il y a aussi. Rudy Lévis qui a vraiment, il aura fait tout ça qu'il faut, tout ça, il a payé pour faire, et il aura fait un bel travail aussi. En tout cas, donc, franchement, on salue Alberto d'Angola qui a écouté nous, qui a salué. Ouais, donc, c'est merci. Des mounes, si le Zouk, il y a très. Il y a caché le Zouk là, mais franchement. Mais puisque la radio, que ça supporte pendant la guerre, c'est ça qui est meilleur. Et Kizomba qui a sorti là aussi. Et voilà. Il a fait des dérivés, il a reconnaître ça. Il a profité aussi pour dire. Faut pas ni polémique entre Haïti et Guadeloupe, puisque Haïti reconnaît Cassav très rapidement. Et depuis, Cassav n'est plus succès en Haïti qu'en Guadeloupe. Et à pourquoi jamais tant un Haïtien dit à pêcher Cassav entrer en Haïti. Et Cassav est là pratiquement chaque année, dans l'occasion. Et les Haïtiens qui vivent New York, les jeunes Haïtiens, que ce soit Wyclef Jean ou Karimi, il y a radio, il y a aussi les enfants du Zouk, ou qu'a analysé, ou qu'a coûté, Disayo, ou qu'a tonne, Cassav là-dedans. Mais le qu'a coûté Cassav, ou qu'a tonne musique haïtienne là-dedans aussi. Et d'ailleurs, Cassav, quand on a lancé au Cricor, nous rendons hommage à Tabou Kombo. Donc, c'est pour montrer que, à musique là, il n'y a pas de frontières, mais c'est nous pour nous être savent qu'on nous voulait et qu'on nous tigeant pour nous apprécier sans excès. Alors, il est important aussi de signaler que le mot zouk, qu'ils savent pas jamais dit, il a inventé le mot zouk. Le zouk. C'est vrai que Cassav inventé, c'est lui qui a élaboré en sonorité qu'on a dans zouk là. Mais Cassav n'a jamais dit ce qui a inventé le mot zouk, parce qu'à dans les Vikings, où t'es ni un chanteur, Maurice Clerc, nom d'artiste, c'était King Clero Zouk. Et qui n'y a un album marqué Zouk, sauf qu'il était qu'à écrire, on sait. L'album là marqué Zouk avait. Zouk, après, mais c'est toujours Zouk. Zouk, oui. Donc, moun qui veut créer une polémique par rapport à Cassav, Cassav n'a jamais dit y inventer le mot zouk, puisque c'est un mot martiniquais qui veut dire on tend, qui veut dire sous boum, qui veut dire, et c'est le public
quand le public mettait à l'hôpital à Danzoukla, c'est ça le médicament donné, c'est comme ça le public te crier, ça nous te rajouer, il a dit tiens, ça c'est un zouk. Et Patrick Saint-Éloi te dit ça c'est le zouk. Ça c'est le zouk, ouais. Et nous, nous sortissons ça dans le contexte là, comme je l'ai dit, et nous faisons une espèce de slogan parce qu'il est facile à dire, il est facile à faire, mais. A dit solennellement, si pas tenu Goka, si pas tenu Musica Saint-Jean, pas tenu Kassab. Ça c'est important. Et ça. C'est ça qui a nourri Musica Kassab. Moi, pas spécialiste à Goka, pas musicien à Goka, mais c'est Goka qui a nourri moi, il a nourri création moi, il a nourri création en ce monde. Faut nous porter Goka là, faut nous kembeï, faut nous faire ça, il faut toujours faire. Parce qu'il n'y a pas d'inquiète pour Goka. Goka n'est jamais mort, parce qu'il a fait un lot de bitter. Et ça, nous voyons ça dans l'album qu'il a, oui, ou qu'on reprend avec Patrick Saint-Éloi en oui. Version Zouk, et c'est etc. C'est la première fois Patrick Saint-Éloi qui a chanté un morceau Goka, l'est arrêté avec un sable pour un TPI, commencé à travailler sur le créole blues. Mm-hmm. Et a crié Patrick a dit pour nous rendre en d'autres chanteurs Goka qui étaient modernes pour l'époque. À l'époque, il était jeune, il n'est pas jeune encore. C'est Esnar Badur qui a demandé Saint-Éloi chanter. Et Saint-Éloi chantait ça tellement bien qu'il chantait tout ça, il chantait bien. C'est à Kevin chercher le document à côté. En tout cas, merci. Merci Sofaya, merci. Tout auditeur Sofaya et genre, tout le monde, on l'a mené les autres, j'en ai public loin. On en tout cas, merci beaucoup. De Sofaya et aussi à Kaspika dans le livre là, qui Jean à Sofaya, ben Sofaya, ni un rôle à dans Kassav et à dans mon livre, c'est à Sofaya.